Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Blé Goudé lance l'opération Zéro blessé, zéro mort. La campagne vise à mettre fin aux violences en période électorale. Il est interdit d'exercer une activité lucrative quand on est fonctionnaire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gaulle a rappelé au cours d'une conférence de presse. Et face à la rage qui a refait surface, le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement de 3 jours de campagne de vaccination gratuite et de lutte contre la rage dans la région du Haut-Sassandra. Élections locales en Côte d'Ivoire, opération Zéro blessé, zéro mort. C'est le nouveau projet lancé par le parti de Charles Blé Goudé, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Pour Charles Blé Goudé, il est temps de mettre fin aux violences qui ne font que compromettre la stabilité du pays et la vie des citoyens ivoiriens. Pour celui qui aime la Côte d'Ivoire, ce concept ne devrait pas être insignifiant. Bien au contraire, nous devrions nous l'approprier. Car depuis quelques années, les élections font peur chez nous. Elles ne riment plus avec démocratie. La campagne de sensibilisation de l'opération commence le 10 août dans la région des Grands Ponts et va se poursuivre dans le Haut-Sassandra à partir du 18 août 2023. Blé Goudé a appelé les différents acteurs politiques et candidats à respecter les règles électorales et à s'abstenir de tout acte de violence. Je vous demande pardon. Pour les élections qui arrivent, évitons à la Côte d'Ivoire les mêmes scénarios. Léguons aux générations à venir un héritage sain. Pour les élections locales du 2 septembre 2023, le COGEP ne présentera aucun candidat. Blé Goudé et son parti veulent se positionner comme des acteurs de sensibilisation pour des élections apaisées et sans violence. Le statut de la fonction publique interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'État d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature qu'elle soit. Mais en dépit des dispositions prévues par la loi, de nombreux fonctionnaires sont propriétaires de plusieurs entreprises, certains même soumissionnent au niveau du marché public. Le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Gagnoa entend mettre de l'ordre dans le secteur en accord avec les autorités compétentes. Effectivement, il y a des conflits d'intérêts, il y a des fonctionnaires opérateurs économiques, chose qui n'est pas autorisée, ça nous le savons. Mais nous passons, nous rassurons nos opérateurs économiques cette question. Que cette mandature va se plancher, nous allons informer le gouvernement, nous allons informer qui de droit, de façon à ce que ces choses soient adressées, qu'elles soient réprimandées, soient posées, de façon à ce que les opérateurs économiques retrouvent leur place. Que le devoir régalien de l'État se fasse en accompagnant, en formant, en encadrant les opérateurs économiques à jouer leur partition dans le développement du tissu économique, pour que le gouvernement et l'État aient les moyens de réaliser les grosses œuvres qui font plaisir aujourd'hui à voir. Au terme de cet échange avec la presse, M. Kouassylvain Yves a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions qu'il mène en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Il a aussi plaidé pour le bitumage de certaines voies de Gagnoa et la reconstruction du marché central de la dite ville. À Daloa, le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement de 3 jours de campagne de vaccination gratuite et de lutte contre la rage dans la région du Haut-Sassandra. Cette initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques est la suite de l'enregistrement de plusieurs cas de décès dus à la rage dans le Haut-Sassandra. Cette réponse-là, elle est due au fait que des personnes sont décédées de rage ici, dans le beau département de Daloa. Et dans le cadre des actions du ministère des Ressources animales et halieutiques, qui consiste à riposter chaque fois que nous avons des cas importants, et dans le cadre de la mise en place du centre de la cellule des opérations d'urgence, le ministre des Ressources animales et halieutiques nous a dépêchés pour venir appuyer la direction des ressources animales. De cette campagne, il ressort que la vaccination contre la rage protège à 100%. Par contre, un sujet non vacciné, victime de cette maladie, meurt à 100%. Les autorités de Daloa, qui ont compris la gravité de cette maladie, appellent tout le monde à vacciner les animaux de compagnie et à aller à l'hôpital en cas de morsure et d'exposition à une contamination. Pendant ces 3 journées, les animaux de compagnie, que sont les chiens, les biches, les chats, et puis les mangouches et puis d'autres animaux seront vaccinés de façon gratuite. Donc l'occasion est bonne pour que nous invitions toute la population de Daloa à venir faire vacciner les animaux de compagnie. Voilà l'appel donc que je lance. Ou bien il y a une décharge de plaies qui est faite par un animal à 100 jours, généralement les chiens, il faut vous rendre automatiquement à l'hôpital.
Et mais si l'antenne INHP n'est pas à côté, il faut vous rendre à l'hôpital quand même. Parce que dès que le personnel de santé est informé, ce qu'ils ont à faire, les premiers gestes, je vous explique, ils vont rincer la plaie à de l'eau. Et pour le lancement de cette opération, tous les animaux de compagnie présents sur le site ont été vaccinés gratuitement contre la rage. Et pour finir, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle donne l'alerte. La Côte d'Ivoire fait face à sa 6e épidémie de dengue. Afin de lutter au mieux contre cette maladie, le ministère annonce le couplage des tests de diagnostic rapide paludisme-dengue. À ce jour, le tableau épidémiologique de la dengue fait état de 92 cas confirmés, dont 2 décès avec la commune de Cocody comme épicentre. La dengue, maladie virale dont le principal vecteur de transmission est le moustique tigre, sévit dans le Grand Abidjan, en particulier dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Il sévit également à l'intérieur du pays, notamment à Soubré, à Oumé, à Gueyo, à Abouasso et à Abangourou. Le test de diagnostic rapide TDR de la dengue est disponible dans les centres de santé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.